Club de Saint-Pierre organise un festival, hein, le premier festival andalou de l'île Maurice. Un échange culturel entre l'île Maurice et l'Espagne, plus précisément l'Andalousie. Alors on a trois concerts prévus. Donc il y a un premier concert le 22 février qui s'appelle Fluyi, avec Rosé Maria Galordo del Rey et Ana Morales, c'est une danseuse de flamenco. Ensuite, il y a un deuxième concert pour notre festival qui va être le 26 février avec Véronique Zuel, Eric Catan. Un troisième concert avec, en collaboration avec le MGI. Et ce concert-là va se faire avec le Dr Perumann et sa troupe du MGI. Et ensuite, donc, il y aura quand même un dialogue entre la musique indienne, différentes régions de l'Inde, et ensuite avec le flamenco, avec Rosé Maria et Ana Morales. Et surtout que le concert a un but non seulement pour rapprocher les peuples, mais c'est aussi pour être en mesure de ramasser les fonds, quoi, hein, donc d'avoir suffisamment d'argent pour financer un certain nombre de projets pour les enfants handicapés, donc pour les malvoyants et aussi pour les malentendants. Dans cette optique, hein, c'est-à-dire on veut quand même que l'île Maurice aussi puisse en bénéficier. C'est pour ça que là, on a le 24, hein, lundi 24, à partir de 19h. Donc, on a deux masterclasses. Donc, une qui va être uniquement pour la guitare flamenco classique avec Rosé Maria Galordo del Rey. Et une deuxième classe avec Ana Morales qui va quand même nous initier. Donc, un petit avis, hein, donc, un petit appel plutôt à tous les danseurs mauriciens, c'est-à-dire donc, mais qui voudraient quand même expérimenter la danse espagnole, qu'on connaît moins, je veux dire donc ici à Maurice, mais comme ça on pourra venir. Alors l'inscription se fait en ligne sur le site du Coda Art Center. Il y aura 14 artistes, des artistes, 3 danseuses de Bharatanatyam, Kuchipudi et Kathak, et puis on aura des artistes de sitar, tabla, mridangam, veena, violon, la flûte, le keyboard. Et avec la musique flamenco, c'est une grande première pour nous, et surtout avec cette nouvelle génération de musique qu'on a au MGI. Les rehearsals, on le fait au MGI, et on a le côté individuel qu'on est en train de finaliser, et puis le côté interaction avec Ana Morales et José Maria, c'est à travers les vidéos qu'on nous a envoyées. Et quand ils vont venir, on aura quelques sessions de travail avec eux, et puis on va se présenter sur scène. Alors oui, chanteuse d'Eric qui va chanter des poèmes mis en musique par Garcia Lorca, mais aussi chanter aussi des compositions de notre guitariste qui sera là, José María Gallardo del Rey. Et pour moi, c'est aussi un mélange créole, Espagne, arabe. C'est un superbe mélange culturel que je prends beaucoup plaisir à faire.